Terrasse, salle sombre, ruelle, des artistes, impression forte. Je viens pour voir Jack. Il est batteur dans les clubs de jazz. Un des meilleurs. Connaissance immense de systèmes artificiels et autres IA. J'ai rencontré dans une after, dans un club de jazz. On a très vite sympathisé. Hey, mon ami, comment ça va? T'as vu le concert? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. C'est comme cela parfois. On trouve des inconnus et on est liés pour toujours. Jack est un frère. Un père aussi, parfois. J'ai une aiguille dans la poche. Je sors la clé USB. Ah non, ça c'est une clé USB wire. Étonnant que tu aies cela sur toi. C'est un modèle de clé miniature qui peut être connecté et lu à distance. Regarde la petite LED là sur le côté, elle s'allume en cas de lecture par RFID. C'est utilisé par certains labos qui font des expériences, par exemple en apesanteur, tu vois. Ça sert d'une espèce de boîte noire miniaturisée pour des petits appareils de mesure, des petits drones aussi parfois. Mais t'as eu ça où? Je ne saurais te dire, mon ami. Il y a dedans un programme hors du commun. Faudrait que tu vois ça. Je t'arrête tout de suite, mon ami. Tu vois, ces trucs-là sont géolocalisés. Tu vas pas tarder à avoir de la visite. Et de qui? Eh bien, mon ami, de son ou de ses propriétaires. Faut que je te dise, j'ai essayé la clé sur mon ordinateur. Ça a immédiatement démarré une interface tout à fait étonnante. J'ai dû rentrer un mot de passe. Qu'en dis-tu? Ok, mon ami. Demain, 14h. On se retrouve au café de mon quartier, tu vois. Ok, rendez-vous demain. Il partit de suite après notre échange. Il était un peu couleur bleue. Il se dirigea d'une marche un peu hésitante vers les autres musiciens, qu'il embrassa et félicita avec de grandes accolades. Jack était un type plutôt serviable. Ce soir-là, je suis rentré tard chez moi. Marcher, passer le rond-point. Lampadaire, petit parc, puis portail. La porte grinçante de l'immeuble et... Jack avait raison. Les types qui cherchent cette clé ont beaucoup de moyens. Je suis descendu aux caves. Sorti par l'arrière de l'immeuble, le parking, la concierge. Je me suis rendu directement dans un autre quartier, chez un autre ami, qui ne dort jamais. Il est insomniaque. À bout, 8 personnes travaillent en permanence avec des machines et de l'eau sous pression pour découper... Ah non, mais crois-moi, tu devrais pas utiliser des informations que tu connais pas comme ça. En plus, tu mets peut-être des virus dans ton ordinateur. T'as pas vu les derniers articles? Ça craint. Toi, tu devrais pas faire ça. Mais bon, regarde, tout de suite, tu tombes dans la paranoïa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hélico qui te court après? Ah non, mon vieux, faut que tu te calmes. T'es complètement allumé. Qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte-moi un peu. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu peux dormir ici. Tu sais, il y a le petit lit à côté. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? C'est ta femme? Qu'est-ce que c'est? Le travail, ça va pas non plus? Hein? Tu veux manger quelque chose, peut-être? J'ai d'excellents gâteaux, tu vas voir. Il est parti chercher ses gâteaux. Il est revenu tout de suite. Il continue de me gueuler depuis la cuisine. Je ne sais quelle idiotie. Il est sympa, mais
Je préfère que... Ah, je suis assez fatigué, tu sais. Et puis, je n'ai pas faim. Je voudrais aller me coucher. Oh là là, toi, mon loup, vraiment, tu me couvres quelque chose, c'est pas possible. Ah, même un petit verre d'eau ? Allez. Bon, allez, d'accord. Bon, viens, je vais te montrer la chambre. Jim m'a laissé me reposer. C'est un bon hôte. Je serai parti demain à 6h, tu sais. Ah oui, mais tu fais comme tu veux, y a pas de problème. Un téléphone ? Ah, mais ça doit être à Victor, alors il l'aurait oublié là ? Oui, allô ? Victor, c'est toi ? Ah non, ma douce, moi c'est Jimmy, le maquis des Club Night, ma poulette en personne. Que puis-je faire pour toi ? Je voudrais parler à Victor Colmat, s'il vous plaît, c'est assez urgent, voyez-vous. Il est avec vous, n'est-ce pas ? Ah, bah oui, enfin non, il se repose. Il faut me le passer ! Je dois lui parler absolument en personne. Bon, d'accord. Ah, écoute, ma poulette, je suis désolée. En fait, il a dû sortir. Je croyais le voir dans son lit, mais en fait, c'est un traversin. Bon, je suis désolée, il a filé. Allez, salut. Non, attendez, allez-vous le revoir. Dites-lui qu'il peut me joindre à ce numéro. Le 654-331-421. Bonjour, madame. Connexion. Ouverture du journal de bord de Victor Calmet, 56e semaine, jour 4. Rapport. Alors là, où en sont vos recherches ? Avez-vous retrouvé Victor ? Victor est sous l'influence de l'IA, mais il prend son contrôle. Alors que c'est lui qui... Oh là là, Victor, que faites-vous ? Depuis que son programme s'automodifie, il s'est multiplié et s'est mis à altérer la vision du réel de Victor. Il n'aurait pas dû utiliser la puce en implant. Il est en pleine hallucination assistée, assistée par l'intelligence artificielle. L'homme s'était greffé un ordinateur dans le cerveau. Le corps d'un homme a été retrouvé hier en fin de soirée en lévitation au sommet du pic de la Tour Eiffel. Il a fallu un hélicoptère et 6 hommes pour le secourir, mais il était inconscient à son arrivée au sol. Il s'agirait de Victor Colmat, un scientifique reconnu à la pointe de la recherche en intelligence artificielle. Les circonstances d'un tel accident restent très difficiles à expliquer. Tout le monde s'interroge. Sur place, notre reporter Morissette... Et oui Gérard, c'est à peu près aux alentours de 11h qu'il a été signalé un objet volant non identifié, de petite taille, volant à vive allure, par de nombreux témoins qui décrivaient un objet en vol stationnaire au-dessus de la, du paratonnerre de la Tour Eiffel. Et effectivement, on pouvait voir à la jumelle, et comme le montrent les clichés, ce qui semble être d'abord une statue indienne, un peu comme un Bouddha. Et cela a attiré évidemment beaucoup de foule. On a rapidement eu de nombreuses personnes clamer le retour d'un être suprême. Et puis les autorités, bienvenue, sont intervenues et ont pu descendre le corps qui était en position de lotus, simplement inconscient, apparemment sans aucun signe vital. Alors de suite, un périmètre de sécurité a été installé, un camion à bord de la criminelle est arrivé. Bonjour Victor, veuillez entrer en mot de passe s'il vous plaît.